Qu'est-ce que c'est ça? Et ça, c'est quoi ça? Mais c'est quoi toutes ces couleurs? Oh non, ils ont changé de programme. N'a pas changé, on a toujours les mêmes smart points liberté, hein, sauf qu'il a évolué le programme. Ah là là, on aime bien râler en disant oh non, on a changé le programme, oh là là, nos livres vont être obsolètes, oh là là. Non, c'est bon, je vais vous expliquer ça tout de suite. Le nouveau programme WW ne change pas au niveau des points, donc voilà, c'est la première fois qu'ils font ça, où du coup, c'est super bien parce que les livres ne sont pas obsolètes, donc vous avez toujours les fameux Smart Points Liberté. Alors, ce qui change juste, parce qu'il y a certaines personnes qui me disent « Oui, mais non, mais avec les couleurs, avec les trois couleurs, ça change les Smart Points. » Non, alors... Les smart points qui ont des points non, c'est ceux qui ont des points à zéro. C'est les aliments à zéro point où ça peut changer au niveau de la couleur que nous avons choisie. Maintenant, je vais vous expliquer donc les trois couleurs. Du coup, WW, vous avez le programme WW et juste donc dedans vous avez les aliments zéro smart points et ça se divise en trois couleurs. Alors, vous avez le vert, le bleu et le violet. Alors pourquoi ont-ils fait comme ça? Vous savez que WW font toujours, évoluent toujours leur programme et il y en a certains qui ont dit « Ah mais les couleurs ça revient à l'ancien programme ». Non, alors ça n'a rien à voir. Vous savez, plus ils font les programmes, plus ils peuvent voir celui qui marche le mieux. Et là, ils se sont aperçus que en fait tous les programmes fonctionnent, mais sur chaque ça va fonctionner sur une personne, ça ne va pas fonctionner sur une autre personne, ça va fonctionner sur une personne, enfin bref. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a eu l'histoire des trois couleurs, pour que au moins chacun s'approprie sa propre couleur avec le même programme, mais chacun a sa façon, et donc du coup on peut tous maigrir, mais avec sa propre couleur. Et c'est ça l'invention de WW, et chaque couleur, ça a été scientifiquement prouvé. Donc en fait, chacune montre une perte de poids identique. Donc ça, c'est top. Après, c'est nous qui choisissons. Donc comment fait-on pour choisir? Donc pour celles et ceux qui sont nouveaux, donc déjà, je vous invite à aller en atelier. Ben oui, c'est très très important d'aller dans un atelier WW pour, comme ça, la coach vous explique le fonctionnement du programme WW, vous explique bien, vous aurez tout le descriptif du programme. Et ensuite, vous avez également l'application WW où là, vous répondrez à un questionnaire de personnalisation. Alors, pour les anciens membres, vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas eu ce joli questionnaire. Mais vous savez que WW pense à tout. Ils ne vous ont pas oublié. Mais si on fait nous aussi également un questionnaire de personnalisation, ça va tout fausser. Bah oui, parce que vous avez pris de bonnes habitudes alimentaires. Vous êtes sur des bonnes bases déjà. Donc vous n'avez pas besoin de questionnaire de personnalisation. Alors maintenant, venons au fait. Donc les couleurs. Vous avez le vert. Vous avez le bleu, vous avez le violet. Alors, ne choisissez pas par rapport à la couleur que vous préférez. Hein. Non, non. Donc, la couleur verte, c'est plus de 100 aliments à 0 point, incluant les fruits et les légumes. Et c'est un minimum de 30 smart points journaliers à utiliser pour les autres aliments. Donc, un minimum, hein, on est à 30 smart points journaliers. La couleur bleue, c'est plus de 200 aliments à 0 point, incluant fruits, légumes, poissons, œufs, yaourts à 0% ou classiques, légumineuses, filets de dinde ou de poulet. Et vous avez un minimum de 23 smart points journaliers à utiliser pour les autres aliments. Et enfin, vous avez la couleur violette, où là vous avez plus de 300 aliments à 0 point, donc ça inclut comme pour le bleu, mais on rajoute
On rajoute là ici les pommes de terre, les patates, je suis sur les pommes de terre. Donc je disais pommes de terre, pâte complète, riz complet et céréales complètes. Et vous avez les patates douces aussi. Et c'est un minimum de 16 smart points à utiliser pour les autres aliments. Donc, comme vous avez pu le remarquer, chaque couleur a un nombre minimum au niveau des smart points journaliers. Et vous allez me dire, mais c'est pas énormément. Par exemple, sur le violet, on n'est qu'à 16 smart points. Mais imaginez le nombre d'aliments que vous avez en 0 smart points. Vous avez plus de 300 aliments. C'est-à-dire que, par exemple, le petit déjeuner, si vous prenez un bowl cake, donc avec des flocons d'avoine, les flocons d'avoine à la base sur le programme, on était à 3 smart points liberté si vous preniez 25 grammes de flocons d'avoine. Là, vous passez à 0 smart points liberté. Hein, donc, vous pouvez vous faire un petit déjeuner déjà à 0 smart points liberté. Donc, voilà, c'est bien équilibré sur chaque smart point journalier. Et vous avez toujours cette réserve hebdomadaire qui ne change pas. Hein, vous l'avez toujours. Et vous pouvez toujours cumuler 4 smart points journaliers qui sont reportés automatiquement sur votre réserve hebdomadaire. Ça ne change pas. Donc, au niveau du vert, en fait, le vert, c'est vraiment. Vous avez 100 smart points, 100 aliments à 0 smart points, plus de 100 aliments. Donc ça comprend juste les fruits et les légumes. Vous n'avez plus le poisson, plus les filets de dinde, de poulet, etc. Donc c'est fruits et légumes. Donc ça correspond, c'est bien pour ceux qui n'aiment pas qui n'arrivent pas avec ces aliments à 0 points. Parce que il y en a beaucoup qui pensent que les aliments à 0 point, c'est des aliments à 0 calories. Non, 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 il faut savoir le gérer. C'est pas tout 0 calories. Hein, donc, les aliments à 0 point sont là pour bien composer le repas avec les aliments qui, eux, ont des smart points journaliers. Mais en aucun cas, ce n'est pas à volonté, c'est à satiété. Hein, faut que ça vous rassasie. Voilà. Donc ça c'est le vert. Donc pour ceux qui n'aiment pas les aliments à 0 point, c'est parfait parce que vous êtes cadré sur le vert. Ensuite vous avez la couleur bleue. Donc la couleur bleue vous la connaissez toutes et tous pour celles qui font du coup le programme. C'est notre programme actuel. Donc ça ne change rien. Vous avez toujours les 200 aliments à 0 point et les 23 smart points journaliers par jour au minimum. D'accord? Et enfin vous avez la couleur violette. Donc ça c'est pour ceux aussi qui adorent les aliments à 0 point et qui arrivent à se gérer. Donc du coup, vous avez plus de 300 aliments à 0 point et avec des pommes de terre et patates douces. Alors ça, c'est le top. Donc les céréales complètes, c'est 0 point. Les patates douces, c'est 0 point. Les pommes de terre, c'est 0 point. Alors attention, hein, les frites, c'est pas 0 point. Hein. On fait attention aussi à comment nous faisons le programme. Donc voilà. Donc après, c'est à vous de tester. Vous prenez la couleur que vous souhaitez. Alors pour les nouveaux, vous aurez déjà une couleur prédéfinie avec votre questionnaire de personnalisation. Et pour les anciens, donc vous choisissez donc la couleur, vous la testez, c'est 15 jours minimum. Hein. Vous ne la changez pas tous les jours parce que sinon le corps il va pas comprendre et on va pas savoir sur quelle couleur vous êtes le mieux. Donc vous la testez au minimum 15 jours, comme ça vous voyez ce que ça fait, si vous perdez ou non. Et après vous testez, vous changez au bout de 15 jours si vous avez envie de choisir une autre couleur, vous changez. Et si vous n'avez pas envie, vous ne changez pas. Hein, ça c'est votre choix. Donc au niveau de l'application, vous allez dans paramètres. Donc je vais vous le montrer également. Donc vous avez la petite roue, vous appuyez sur cette petite roue et vous allez juste dans paramètres alimentation. Et là vous changez la couleur, d'accord? Et en plus pour chaque couleur dans l'application, donc vous l'avez dans l'atelier parce que l'atelier vous avez également le livret double. C'est mon WW et ça on vous donne le livret, on vous explique bien comme il faut dans les ateliers. Donc c'est pour ça que je vous motive aussi à aller dans les ateliers parce que c'est très important. Moi-même, quand je suis dans les ateliers, que je vois les membres, qu'on peut les aider comme ça, c'est bien parce que là, je vous le montre en vidéo. Vous voyez que je vous aide aussi en vidéo et sur le groupe Facebook, mais en atelier, imaginez, je suis en réel, les coachs sont en réel. Donc, du coup, on vous montre.
montre, on vous booste, donc c'est encore mieux et vous comprenez vraiment mieux. Et puis en plus avec les autres membres, si vous avez des questions, vous pouvez les poser et vous avez les autres membres aussi qui vous boostent, donc ça c'est génial. Après donc du coup vous avez l'application, vous avez la communauté www où vous pouvez poser les questions, et là vous avez sur chaque couleur aussi vos aliments à 0 point. Donc voilà, c'est www a vraiment fait ça à merveille. Franchement, j'adore ce système là de couleurs. Je ne sais pas pour vous, dites-le moi en commentaire, mais je l'adore ce nouveau programme, j'en suis fan. Donc du coup vous avez vu, le programme ne change pas, il évolue au niveau des couleurs, et vous avez juste les aliments à 0 point qui changent en fonction de la couleur. Forcément, le vert c'est 100 aliments à 0 point, le bleu c'est 200 aliments et le violet c'est 300 aliments, donc c'est ça. Mais les autres smart points, ceux qui ont des points, ça ne change pas au niveau des couleurs. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir également. Après, moi je vous laisse tester, dites-moi en commentaire si vous l'avez, ça y est, si vous avez déjà commencé avec les couleurs, si vous avez commencé à perdre sur la couleur que vous avez choisie, et puis si vous avez décidé de rester sur la couleur bleue, donc dans le programme actuel, ce qui convient très bien, hein. La plupart des gens aussi maigrissent aussi et qui ne veulent pas changer, hein, parce que c'est l'intermédiaire, c'est le programme, c'est la couleur modeste, et vous avez la couleur violette où c'est la couleur généreuse, voilà. Et la couleur verte, la couleur plus stricte, mais franchement qui est bien cadrée également, et ça c'est très bien aussi, je trouve que c'est très bien aussi pour les nouveaux, cette couleur-là. Enfin, je pense que ça a l'air d'être super, donc voilà. Et de donner un coup de boost aussi pour le corps, c'est pas mal aussi. Bref, donc dites-moi vous, sur quel team vous êtes, si vous êtes plutôt team verte, team bleu ou team violet. En tout cas, moi, pour l'instant, je teste la couleur violette et je trouve ça très très bien, parce que j'aime bien, parce que les céréales, ça compte à 0. Comme je disais, les pommes de terre, patates douces, c'est à 0. Donc, c'est royal. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a éclairci au niveau des couleurs. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser aussi également en commentaire ou sur le groupe Facebook, je suis à disposition, ou sur Instagram, hein, vous me retrouvez ici, c'est ange14141414, donc retrouvez-moi sur Instagram, je vous répondrai également, et puis en plus vous pouvez me suivre dans mes aventures www dans les stories, vous appuyez sur ma photo sur Instagram. Et si vous n'êtes pas abonné ici, eh bien je vous attends, c'est le rectangle rouge juste en dessous. Voilà, moi je vous embrasse bien fort. Bye!